Salut à tous et à toutes, c'est Baldéphone, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur Tomb Raider. Et c'est l'épisode 3, on a fait 4%. Oh, ça va un peu plus vite que prévu, on va peut-être faire que 50 épisodes. Je ne sais vraiment pas combien de temps ça va durer ce let's play pour le coup en fait. Je vais le faire lentement. Un peu comme Far Cry d'ailleurs. Far Cry c'est très lent, hein. Far Cry. Et GTA, j'ai quand même arrêté. Ah ouais, pour tous ceux qui me demandent, mais GTA, tu fais plus? Ou alors à quand le prochain épisode de GTA? Mais GTA, j'aurais pas arrêté de dire que j'ai arrêté le let's play. Voilà, j'avais commencé parce que j'aimais bien, et au final j'ai arrêté parce que j'aimais plus. Je peux marcher dans le feu? Ouais, marcher dans le feu! Je vaincrai ma peur! Moulala. Bon, alors on devait aller chercher à manger. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est elle rampe chelou, c'est pour esquiver les trucs. Wow! Toi! Reviens par ici! Oh mon dieu! Le pauvre homme! Cet arc me sera utile. Ouais, je sais pas si j'ai vraiment très envie de le récupérer. Trouver une arme pour chasser le cerf. Non, je préfère courir par là. Wouh là là là. La 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 la. En fait, j'ai l'impression que c'est carrément un monde ouvert comme dans Far Cry 3. C'est quoi ça? Ah, des flèches. Ah ouais, c'était des flèches, ok. Je prends. Je peux pas ouvrir ça. Bon, je vais grimper dessus alors. Je peux pas chasser à main nue. Ouais, non, mais je sais que je trouve une arme. Je sais, Lara. Ah. Arrête de me prendre pour un teubé. J'adore la nature. Je peux y arriver. Faut que j'appuie. Non mais ça c'était con là, ton arteau extrait. Ça va, elle va pas se réveiller. C'est pas, on n'est pas dans The Walking Dead. Oh yeah. On va voir si ce truc marche encore. Ah oui, j'avais vu au final les options de... Effet dialogue, c'est là. En fait, je vais baisser les musiques. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. Ouais, on entend vachement mieux, on entend déjà vachement mieux Lara. Je vais baisser un petit peu. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. Ouais. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Ouais, je suis trébuché. Tuer et dépecer un fer. C'est vraiment comme dans Far Cry. Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. Attendez, je me gratte le genou en fait. Oh, il y a des autres flèches là. Je l'ai eu ou pas? Je sais même pas si j'ai réussi à le toucher. Faut que je sois un poil plus discret. Je l'ai eu. Oh, ça me rend triste, pauvre bestiole. Oh, j'ai faim quand même, mais... Désolé. Tu dois peut-être l'achever, non, Lara? Mais achève-la! Mais elle veut pas le faire comme ça, genre. J'espère que la créature est morte. Ouais, apparemment elle est morte. T'as récupéré quelque chose ou bien... Bon. Ouais. Retour au camp. Ouais, écoute, Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves.
Apprends le langage de la terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Il y avait un piou. Ah, c'est merde, ça fait mal. Non mais... J'avais pas capté que ça me faisait mal. Il n'y a pas de barre d'énergie dans ce jeu. Bon, on a tué une biche. Retour au camp. C'était réapparu, je sais pas trop pourquoi. Le mec, il essaie de monter les cascades et tout. Là-bas, il y a un rebord. Bon, faudrait peut-être que j'arrête de sauter tout le temps comme ça. Na, na, na. Pour camper. Oh, des portables pour camper tout son pour améliorer ma capacité. Attendez. Ah, je peux choisir soit survivant, soit chasseur. Animal, expérience survie. Il y a quoi? Gagner des compétences supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux. J'ai un point de compétence. J'ai un peu de mal à comprendre. Je regarde les chasseurs. Ça veut dire en vous concentrant, vous avez plus de temps. Maîtriser. Niveau de vétéran. Et si c'est maîtrisé? Ok, bon, j'ai pris ça. Ok. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross! Sarah? Tu es en vie? Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, que la seule option, c'était c'est d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Et tu veux pas manger, peut-être? Je veux manger, faim. Bon. Je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue. Oh, ta gueule. Allez! Faut que j'aille à la montagne? Par où? Oh, par là. Okay. C'est dommage qu'elle peut pas sprinter. Bon, elle est un peu épuisée, mais. Putain, la porte est ouverte. Hé oh! Hé oh! Y'a quelqu'un? Oh, chouette, une torche. Oh, exploration du grotte. Ah ouais, je vais jouer à Minecraft. Wow. C'est pas vrai. Bon, t'as pas trop le choix d'y aller en fait, Lara, là, pour le coup. D'accord. Bon, bah voilà, on va dans les égouts. Putain, dans tous les jeux, je suis toujours dans les égouts. Non, mais... Tu sais que c'est un endroit tout court, non? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais pas. Oh non, c'est de la folie. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Très féminine, hein? Mmh. Il devrait faire de la pub pour les produits de beauté.
Ah, en fait, il faut que je trouve des masques et tout. Waouh, comment tu fous, il a l'air sérieux, soit mort violente. Ah, d'accord, en fait, ça recommence les petites phases d'exploration comme ça. Paf. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. Bah, utilise ta torche, non. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. Allez. Bon, c'est pas grave. Il me faut quelque chose. Mais ça va, j'ai compris. Oh, une arme de corps à corps. Un piolet. Piolet. Oh, c'est ça cette musique. Je peux pas l'éteindre. J'ai rêvé des gens pour foncer. Ah, d'accord, faut que j'appuie vraiment super vite. Et voilà. Yaha. Yeah. Et je pourrais pas m'en servir pour tuer des ennemis ou quoi que ce soit. Yaha. Ah, ok. Encore de l'eau. De l'eau tout partout. Sérieux, c'est quoi cet endroit? Ok. Oh. Rentrer dans cette maison, c'était pas une bonne idée. Ok. Une match pour éteindre la torche. Sam. Tu as entendu? Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. J'ai pas confiance en lui. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Iniko était superbe. Énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers. Elle va tomber la gueule la première dans le feu, tout, elle va cramer, elle va mourir, faire du jeu. Sam ? Mathias ? Genre ils m'ont abandonné là. Sam ? Sam ! Oh.
C'est super stressant ce truc. Stop, j'en ai marre des loups. Merde. Non, j'ai raté. Mathias, et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hé, hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. J'aime pas lui non plus. Il y a beaucoup de personnages que je n'aime pas, pour être exact. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. C'est pas si mal. Yay. Ouais, non, en fait. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser pour cet épisode, donc j'espère qu'il vous a plu. Et par contre, je trouve, donc je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu la saga Tomb Raider, que les cinématiques, elles ressemblent fort au niveau ambiance et façon dont les personnages parlent à Tomb Raider 3, je trouve. Surtout le moment au niveau du camp avec Sam et puis Mathias, ça faisait vachement Tomb Raider 3, ça m'a vachement fait penser. Ils ont, en fait, au final, ils ont quand même bien gardé l'esprit Tomb Raider, c'est cool, c'est une bonne chose. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous aimez aussi cette vidéo, à la partager si vous voulez en faire profiter vos amis, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye. We'll be right back.